Euh, donc, euh, comme j'ai écrit aujourd'hui, c'est le, le dernier euh, des, de la série de trois, des trois exposés euh, qui sera consacré à exposer quelques questions euh, qui se posent euh, dans l'état actuel euh, de développement euh, du travail dont j'ai expo enfin, exposé une partie euh, qui est due euh, à Olivia Carabello euh, en quasi-totalité. Et euh, la deuxième partie, euh, donc, intitulée À la recherche de topos motiviques, euh, euh, aura pour but d'introduire euh, au texte programmatique motivique Toposis, hein, le, qui est signé ben, par euh, Olivia, euh, toute seule. Euh, euh, donc ce texte est beaucoup plus sophistiqué. Euh, D'abord, il s'agit d'un texte programmatique, hein, c'est-à-dire de, de, de proposer un certain cadre pour penser les relations entre théories comme logiques différentes. Euh, et euh, donc, ce texte est beaucoup plus sophistiqué que ce que j'ai présenté, euh, le travail sur la, la, la construction de Nori, euh, Et il s'appuie, euh, en fait, sur un bon nombre des travaux antérieurs d'Olivia. Euh, en particulier, les trois que, dont j'ai écrit les titres euh, au tableau, euh, sur la, la construction de Freissey en théorie des modèles, euh, sur euh, le, la, la théorie de Galois, et puis un, un, art un article vraiment euh, long et difficile qui s'appelle Extension of Flag Functors and Theories of Pre-Shift Type, et qui euh, en fait euh, va être intégré à un livre euh, qui s'appelle Lattices of Theories, qui, euh, qui va paraître à Oxford University Press. Et puis euh, donc après je vais dire quel, quelque chose de enfin raconter quelque chose de tout à fait différent hein, donc euh, l'introduction à, à euh, cet article euh, donc le, euh, euh, simplement donc juste avant la pause euh, euh, donc je vais revenir à ce, à ce que j'avais dit en introduction là, au premier exposé à savoir que si le, le, disons que cette théorie des topos classifiants et des catégories syntactiques qui a servi à, à réinterpréter la construction de Nori, euh, donc en quelque sorte, constitutivement, on peut la voir comme une théorie des relations entre théories. Euh, et euh, euh, la, la, euh, donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, j'ai été intéressé dès le départ euh, là dedans hein, la, 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 donc à la fois pour, pour les, les, la problématique des motifs et euh, pour la problématique de l'anglante euh, mais euh, voyez donc c'est une théorie qui est extrêmement générale euh, Puisque euh, cette construction euh, des topos classifiants et des catégories syntaxiques euh, s'applique à n'importe quelle théorie du premier ordre, donc c'est d'une généralité extrême. Alors la manière dont euh, euh, Olivia a procédé, depuis euh, des années qu'elle travaille là-dessus, c'est de développer d'une part la théorie générale des topos classifiants euh, et euh, de, donc des équivalences de Morita quand on a deux théories qui ont le, des topos classifiants équivalents. Et le, donc développer la théorie générale en la confrontant à des, à des diverses situations concrètes dans les mathématiques, euh, euh, avec l'idée que chaque fois qu'on qu confronte la théorie, la théorie générale à des situations concrètes, bon, d'abord on, on peut peut-être obtenir des résultats nouveaux, et puis surtout, euh, et d'autre part, euh, le, cette confrontation amène à développer la, la théorie générale, hein, par confrontation à quelque chose de concret, mais du fait que la théorie générale, ensuite, on va pouvoir l'utiliser euh, dans d'autres euh, questions particulières des mathématiques. Donc là, euh, on est intéressé euh, à la problématique des motifs, c'est-à-dire la classification, euh, de, euh, de, euh, la, euh, classification de, de théorie homologique. Je, euh, enfin, je vais dire de manière plus précise ce qu'on recherche tout à l'heure. Euh, le, mais euh, donc pour ça, euh, ben, euh, donc on va pouvoir proposer un certain euh, cadre général que je vais présenter, qui s'appelle le, le cadre des topos atomiques à deux valeurs, qui est inspiré, enfin qui est tiré euh, euh, en fait de la confrontation avec d'autres situations mathématiques concrètes. En particulier ici, en fait, l'article le plus important, euh, euh, c'est le premier, hein, qui est un article court qui fait 20 pages. Donc, la construction de Fraissé, c'est une construction en théorie des modèles qui, qui date de, 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 de très longtemps, hein, le, le, que Olivier a réinterprétée en termes de topos. Et ce qu'il s'avère, c'est que cette construction-là, réinterprétée en termes de topos, en fait, devient en quelque sorte une seule et même théorie avec l'interprétation en termes de, de topos ou la généralisation en termes de topos. De la théorie des catégories galoisiennes de Grothendieck. Et quand on fait fusionner ces deux choses, donc on obtient une théorie plus large, eh bien, euh, en particulier, ça, euh, ça permet d'essayer de, de classifier également euh, des structures linéaires, hein, comme on veut en général, comme on veut quand on, quand, quand on s'intéresse à la question des motifs. Donc ça veut dire euh, que dans, dans le contexte que je vais présenter, il n'y a plus la distinction. Par exemple, entre euh, catégorie galoisienne et catégor catégorie tanakienne, c'est-à-dire entre objets linéaires et objets non linéaires. Hein, donc, euh, euh, en fait, on a le, une seule et même théorie qui permet d'essayer de, de classifier aussi des structures linéaires. Euh, donc, ce que je vais présenter, c'est une sorte d'approche de, de, de la question des motifs et des relations entre théories cohomologiques qui est alternative au formalisme tanakien. Voilà, donc je propose que, ceci étant dit, on fasse une pause de 5 minutes. Euh, voilà, donc, donc le paragraphe 2. Euh, donc, bon, ici, j'ai écrit un, un énoncé. Là, là, pour le moment, c'est du chinois. Là, là, simplement, ce sera le, le, le théorème central sur lequel est fondée euh, toute l'approche. Donc c'est un théorème qui est, qui est tiré de cet article sur la construction de Fraissé, euh, et donc tout à l'heure euh, je vais expliquer le, le, le sens de ce théorème et euh, pourquoi euh, il peut être intéressant euh, pour nous. Alors euh, donc comme tout à l'heure euh, on a un corps de base, euh, K, grand K, euh, qui est euh, choisi euh, une fois pour toutes. Euh, et euh, ce corps de base euh, sert à définir euh, un carquois euh, D euh, de schéma euh, de type fini euh, euh, sur euh, K. Bon, alors, euh, en général, dans, dans, dans les objets de D, il y, de, y a une part géométrique et une part d'indice. Euh, donc, je, 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 la part géométrique, ça va être des schémas ou des diagrammes de schémas de type fini sur K. Et la part d'indice, euh, ça peut être. Euh, euh, bon, par exemple, un, un indice pour désigner le degré des groupes d'homologie ou de cohomologie qu'on considère, euh, un autre indice pour euh, indiquer la torsion. Euh, la, 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 voilà. Donc Tout à l'heure, j'avais voulu, voulu faire l'économie de ça, et euh, probablement c'était une, enfin, une erreur. Euh, donc euh, voilà, on a euh, un tel euh, carquois. Euh, donc alors, bon, Un exemple de carquois possible, c'est euh, le carquois de Nori. Un exemple, le carquois de Nori euh, que j'avais présenté dans le premier exposé. Donc, le carquois de Nori est constitué euh, des paires de schémas X et Y, enfin, ou plus, bon, plutôt Y et X. Hein, y, est un sous-schéma fermé de X. Euh, donc, et puis, il euh, y a en plus euh, un indice qui est l'indice du groupe d'homologie qu'on considère. Donc, c'est un exemple. Euh, un autre exemple, euh, c'est euh, bien sûr euh, les, bon, les catégories que, euh, de, 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 de motifs mixtes que j'ai introduites. Donc euh, la catégorie des motifs mixtes effectifs euh, à coefficient dans Q, euh, ou bien la catégorie des motifs mixtes euh, euh, donc, où on a inversé la tensorisation par le, le motif de, de Lefschetz. Euh, voilà, donc c'est des exemples de, de, de carquois qu'on peut prendre. Euh, euh, donc, le, euh, 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 bon, ici, je n'ai bon, pas le temps d'en parler, mais je, je, je signale simplement ça c'est que euh, dans la définition de la, de la catégorie de, de, de Voivodsky, euh, c'est euh, bon, une, une catégorie triangulée donc, dans laquelle toute flèche euh, se complète euh, en un triangle euh, euh, donc, euh, mais euh, les coefficients sont fixés or nous on va s'intéresser à des à théories cohomologiques euh, qui ont des corps de coefficients naturels variables hein, par exemple la cohomologie L à l'indique la coefficient dans QL ou QL bar euh, la, P DIC, la, la cohomologie de Betti euh, donc, euh, pour cette raison, euh, on peut être amené, en fait, on va être amené à faire varier les coefficients. Euh, et donc, le, euh, pour cette raison, on peut essayer, essayer de, de, enfin, disons, une question qui se pose à un moment, et de, de, de fabriquer une catégorie euh, triangulée, euh, donc euh, linéaire, mais linéaire à coefficients dans un, un corps euh, qui, qui lui-même peut varier. Hein, donc en fait donc ceci est possible. Hein, donc ici je, vais je le signale simplement c'est dans les notes écrites, hein, donc c'est la définition 10. Euh, donc euh, c'est un objet euh, que dans les notes je, je note c'est infini, qui la, enfin, qu Olivia a, a construit et qu'elle appelle la catégorie euh, triangulée syntactique. Donc c'est une construction euh, qui ressemble un peu à, à celle des euh, des complexes, le, mais en s'autorisant des coefficients, des, un corps de coefficients qui est variable. Euh, donc c'est, euh, disons, c'est un peu un à côté de la, la de, de la ligne de pensée générale. Donc je vais, je ne vais pas en parler, ça, je ne donne pas la définition. Simplement, je signale qu'il y a un autre objet ici qui est intéressant et qui en fait. Euh, pour les, 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 la question à laquelle je vais arriver à la fin de l'exposé, cet objet-là euh, paraît euh, particulièrement intéressant en vue de cette question. Hein donc, euh, simplement, je le signale, je signale l'existence de cette construction qui est euh, vraiment une construction de, de logique et de, de catégorie tactique. Alors, euh, donc, on, on a fixé un tel dé euh, et euh, euh, maintenant, on s'intéresse. Euh, enfin, le, le, ce qu'on voudrait, c'est euh, euh, classifier euh, les représentations de ce D. Donc, ça veut dire. Voilà, une représentation d'un carquois. Si c'est une catégorie, bon, on va bien sûr demander que c'est fonctoriel. Si c'est une catégorie triangulée, on va, on va demander qu'en qu plus ça, respecte, euh, enfin que ça, ça transforme les triangles en des suites exactes longues. Et alors ici, euh, K, c'est un corps de coefficients euh, de caractéristique 0, euh, mais euh, que le, disons pour nous, un problème, euh, ça va être d'envisager de, enfin, de pouvoir faire varier ce corps de coefficients. Hein, donc on va voir un peu plus loin comment on peut essayer de faire ça. Euh, 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 et le, voilà, donc on voudrait classifier les représentations euh, qui sont euh, cohomologiques, euh, mais en un sens euh, euh, qu'il s'agit de préciser. Hein, par exemple, si on a une représentation de la, la catégorie dérivée de, 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 de Wojwodski, qu'est-ce que ça veut dire que cette représentation est cohomologique hein, Donc, euh, Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Euh, ça veut dire que on cherche les choses suivantes. Ben, on cherche d'abord une théorie, T. Alors, euh, en fait, on va chercher une théorie géométrique du premier ordre. Hein, c'est-à-dire le type de théorie qui, qui ont un, un topos classifiant. et euh, ce qu'on voudrait, c'est que les axiomes de t, euh, justement euh, caractérisent ou, euh, euh, le fait d'être cohomologique. le fait pour une représentation d'être cohomologique. Alors pour le moment, on ne sait pas. Justement. La question c'est quels axiomes faut-il mettre pour que euh, ça, une, une représentation qui vérifie ces axiomes mérite le nom euh, de cohomologique. Donc pour le moment, euh, la, la, la seule contrainte qu'on peut mettre, c'est que ces axiomes doivent être vérifiés par euh, les foncteurs. Uh, cohomologiques classiques, c'est-à-dire uh, BT, uh, l-adique, uh, uh, p-adique si on est en caractéristique p, hein, uh, cohomologie cristalline, rigide, voilà. Uh, donc, uh, pour le, donc uh, encore une fois, là on n'a pas du tout défini de théorie, simplement, ce disons, une contrainte qu'on a sur cette théorie, c'est que tous ces axiomes soient vérifiés par les foncteurs cohomologiques classiques. Bon, euh, donc, on, on cherche cette théorie, on cherche aussi, euh, bien sûr, son, son topos classifiant, on s'intéresse à son topos classifiant. Alors, si les, les foncteurs cohomologiques classiques vérifient les axiomes de la théorie, ça va impliquer qu'on qu peut les voir comme des points du topos classifiant. Hein, puisque les points du topos classifiant euh, s'identifient, par définition du, du, du topos classifiant, euh, ils s'identifient euh, au modèle ensembliste de la théorie. Pardon, je n'ai pas écouté. Dans la définition 10, est-ce que vous avez donné. La... Non, je n'ai pas donné. Non, non. J'ai simplement signalé qu'il y a une définition qui se trouvera dans les notes écrites, et euh, disons qu'il qu euh, qu y a une définition euh, un, un, enfin, tout à fait non standard, le, vraiment, euh, euh, disons, qui utilise le, le, le langage de la logique, et qui permet de, de faire varier les coefficients, c'est-à-dire. Euh, il y a une certaine analogie formelle avec la, la, la construction de la catégorie des complexes à partir des schémas, ce que j'ai euh, rappelé tout à l'heure, mais euh, 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 en plus, on s'autorise des coefficients variables, voilà, plutôt que de les fixer. Donc le, le, là, j ai, j ai, malheureusement, je n'ai pas le temps d'en de, euh, parler. Et puis pour comprendre pourquoi cette définition... Hein... à quoi comme donnée initiale C'est infini, c'est associé à quoi euh, non, on part de la, de, la, de la catégorie des schémas, des, des schémas de type fini sur k, et à partir de là, on définit une certaine catégorie triangulée, hein, avec, euh, qui vérifie les axiomes habituels, et qui est linéaire sur un, un corps de coefficients qui n'est pas fixé, mais qui lui-même fait, par, fait partie des variables. C'est-à-dire que ce corps de coefficients est une sorte de la théorie. Voilà, donc euh, je, je, je... encore une fois, ça sera dans les notes écrites, mais je n'ai pas le temps de... Voilà, donc on cherche ça. Euh... 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 Voilà, alors euh, bon, euh, si euh, évidemment le, le topos classifiant, c'est ça qu'on est tenté d'appeler euh, topos motivique. c'est-à-dire un topos qui admet pour point les foncteurs homologiques classiques. Alors, bien sûr, on va attendre de lui euh, d'autres propriétés. Euh, euh, donc, ce qu'on va attendre de lui, c'est que... Euh, ce qu'on va attendre de ce topos qu'on cherche, c'est qu'il possède euh, des propriétés assez fortes. Hein, ça ne doit pas être un topos quelconque, euh, assez forte pour imposer à tous ces points euh, d'avoir un certain nombre de propriétés en commun. Hein, donc en particulier, euh, on s'attend à ce que tous les foncteurs cohomologiques euh, dé définissent des espaces de cohomologie de même dimension sur leurs corps de coefficients respectifs, euh, que les, les espaces propres définis géométriquement les mêmes dimensions, etc. Mmh. Idéalement, on voudrait un topos qui ait des propriétés assez fortes pour, un pour imposer ça. Et en même temps, il faut qu'il soit assez riche pour que les foncteurs comologiques classiques apparaissent comme des points de ce topos. Euh... Alors, euh, d'abord, il y a une première euh, définition qu'on peut proposer. Euh, bon, c'est une définition conjecturale parce qu'elle repose sur quelque chose qui n'est pas démontré. Euh, euh, Qu'est-ce que vous avez écrit des propriétés assez fortes Donc assez forte pour imposer à tous, ces, à tous ces points, à tous ces points, euh, d'avoir des propriétés en, un certain nombre de propriétés en commun. Hein, donc, on va préciser, mais l'idée générale, c'est ça. Il faut que ça soit, d'une part, assez riche pour, pour que tous les foncteurs homologiques classiques soient des points, mais d'autre part, assez restrictif pour imposer à tous les points d'avoir exactement le, les mêmes propriétés d'un certain type. Alors, la première définition euh, euh, qu'on peut proposer, euh, euh, c'est la suivante. La, la, euh, euh, donc, on, on suppose. Que tous les euh, foncteurs homologiques classiques, alors une fois pour toutes, quand je dis classique, ça veut dire BT, Aladic, PADIC, enfin tout ce à quoi vous pensez, donc T de D, alors vous les considérez comme un coefficient dans les Q espaces vectoriels, hein, parce que leurs coefficients sont toujours de caractéristique 0. Donc vous supposez que tous ont la même euh, théorie régulière. au sens euh, que j'avais expliqué dans le premier exposé hein, donc euh, euh, supposons qu'on sache ça bon ben alors euh, on peut euh, euh, regarder le, le dans ce cas le topos classifiant de T et euh, ceci euh, le, et, bon, euh, est une possibilité de, de topos motivique parce que le euh, ben euh, Déjà, on sait que les, 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 ces, ces différents foncteurs apparaissent comme des points de ce topos. Et puis, dans ce cas-là, on peut définir la catégorie des motifs euh, comme une sous-catégorie pleine de T, hein, donc c'est ce que j'avais expliqué la, la, la semaine dernière, euh, sur, euh, les, donc c'est la sous-catégorie pleine sur les objets euh, super cohérents. Hein, donc je n'avais pas expliqué le, le sens exact de supercohérent, peu importe, l'important c'est qu'il y ait une caractérisation. Euh, euh, et le fait que la sous-catégorie pleine euh, sur ces objets, automatiquement, va être une catégorie abélienne et culinaire. Hein donc vous définissez la catégorie des motifs comme ça. Et dans ce cas-là, une fois que vous avez fait ça, eh bien les, euh, 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 vous avez que ceci les foncteurs cohomologiques apparaissent comme des points de T, et les foncteurs de réalisation, hein, que j'avais noté euh, FT, de M dans les Q espaces vectoriels, hein, donc c'est les foncteurs qui permettent de factoriser les T, donc ces foncteurs de, de, de factorisation, ici de M dans les Q espaces vectoriels, eh bien c'est simplement les foncteurs fibres. Vous avez dit que M est abélien, en particulier, qui est linéaire oui. Mais normalement, dans un topos, on n'a pas. Le topos, c'est comme le faisceau d'ensemble. Par exemple, oui, dans la catégorie abélienne, oui. les objets oui. final et initial sont les mêmes. Dans le oui. fais... Pour le faisceau, il y a le faisceau final. Non, mais c'est vrai. Mais là, vous euh, voyez que T, euh, c est, c est, le, le, le topos T est un topos particulier. Et donc, dans ce topos, vous avez que, euh, si vous considérez la sous-catégorie pleine sur les objets super cohérents, eh bien, là, donc comme corollaire de ce qu'on a démontré les fois précédentes, vous savez que cette sous-catégorie pleine est une catégorie abélienne. Je rappelle que le fait pour une catégorie d'être abélienne est une euh, propriété de la catégorie. Oui, non, donc, oui. eh, eh, on ne peut pas voir que les faisceaux v et les faisceaux finaux sont Merci. le d super cohérent ou pas sont... euh, Non, parce que le euh, 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 non, je pense que le, 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 le faisceau final n'est pas super cohérent. Le faisceau initial non plus. Le faisceau initial non plus. C'est-à-dire le vide et le, et le faisceau final ne sont pas super cohérents. Ah. Alors, super cohérent, ça veut dire d'abord super compact. Donc un, donc un objet est super compact quand... Euh, euh, pour tout, tout crib, tout, euh, toute famille épimorphique de morphisme vers cet objet, euh, nécessairement l'une des flèches de la famille est elle-même épimorphique. Donc ça, c'est super compact. Et super cohérent, c'est le fait qu'en plus, donc un, un objet, pour qu'un objet super compact A soit super cohérent, il faut que pour tout autre objet super compact B, et pour toute flèche de B vers A, alors le produit fibré de B avec lui-même sur A est encore super compact. Hein, donc c une... Voilà, c'est la définition formelle. Et donc, on a une certaine sous-catégorie pleine formée sur ces objets. C'est une catégorie abélienne, et même euh, ici euh, nécessairement culinaire. Hein, euh, donc les, les morphismes de multiplication par les entiers sont inversibles. Euh, et donc, le, le, bon, on a, chaque fois qu'on a un foncteur cohomologique, c'est-à-dire chaque fois qu'on a un point de ET, euh, euh, eh bien, ce point euh, donne lieu à un foncteur fibre. Et euh, ce foncteur fibre, au sens habituel, le foncteur fibre au sens de la théorie des topos, ce n'est pas autre chose que le foncteur, de le, le, le foncteur de factorisation qui va des motifs. Vers la réalisation, vers le foncteur cohomologique particulier. Hein, donc tout ça est une réinterprétation de, 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 de ce que j'ai expliqué dans les deux exposés précédents. D va vers. Vous avez D qui va vers M, d'accord Et ici, vous avez le foncteur D, qui, enfin la représentation D qui va de, de D vers les Q espaces vectoriels, qui se factorise de manière unique à travers cette catégorie universelle M. Et donc, le, le foncteur de factorisation, on l'avait noté FT, et FT n'est pas autre chose que le foncteur fibre associé à ce point. Quand vous avez un objet du topos, euh, bah vous pouvez considérer euh, son image par le foncteur fibre associé à n'importe quel point. Mais normalement, le foncteur fibre donne un, un ensemble sans structure de, de cube. Oui, mais là, euh, donc la catégorie qu'on considère, M, euh, c'est une catégorie abélienne culinaire. Mais est-ce que les foncteurs fibres respectent le sens direct Oui. Ce n'est pas clair. Donc, c'est appelé comme catégorie abstraite. Est-ce que les... Les foncteurs fibres, le oui. oui. les... fibres sont exacts, alors. Ils ...sont exacts au sens... Centre... Mais, encore une fois, donc là, on n'est pas avec un topos général, on est avec un topos particulier. Et donc, ce que je dis, c'est que ce foncteur fibre de M dans Q, c'est un foncteur euh, additif, euh, culinaire euh, et même exact et fidèle. On n'avait qu'un topos particulier. Ah, ok. De, de, et M, c'est la même que la catégorie que vous avez considérée avant de... Non, non, non. Donc M, là, c'est. Oui, enfin, c'est ce que j'avais appelé CT. Ah, donc le résultat que m est égal à ct, ouais. et que ouais. les foncteurs fibres... Voilà, m c'est ct. Et qu'on ah. qu a un point de cet topos. Hein, mais le, qui ne dépend pas de t, parce que le, le, ce ct, le, 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 il est construit à partir de la théorie régulière. Or ici, on a fait l'hypothèse que la théorie régulière de tous les foncteurs cohomologiques est la même. Donc là, vous avez un topos dans lequel vous construisez la catégorie des motifs. Et les, les, les réalisations cohomologiques s'écrivent comme les foncteurs fibres. Je n'ai pas bien saisi la différence. C'est-à-dire que Epi, e, e, T, ET, T. c'est un, un topos. Oui. Euh, et ce topos, il, il est construit comment ah ben, C'est le topos classifiant de la théorie T. La théorie régulière qu'on qu a supposée commune à tous les foncteurs cohomologiques classiques. C'est-à-dire qu'on dégage la notion de foncteur cohomologique comme une notion géométrique et on fait le topos classifiant de ça Oui. C'est-à-dire, on regarde quand on a un foncteur homologique, on regarde sa théorie régulière associée. Donc, j'ai expliqué, les, expliqué les, ça les deux fois précédentes. Il y a un topos classifiant associé, euh, et donc dans ce topos classifiant, on peut regarder cette sous-catégorie pleine qui s'avère abélienne et culinaire. Et qui et qui s'avère exactement la catégorie abélienne complète. Oui. D'accord. Qui s'avère la catégorie abélienne universelle, hein, qui permet de factoriser le foncteur T. Et ça, c'est une sous-catégorie. Oui. Euh, on peut le dire une Le plongement de, de, de cette catégorie dans ET. Euh, donc, vous voyez que ceci est construit comme l'effectivisation de la catégorie syntactique. Oui. Euh... Donc, la catégorie syntactique s'envoie dans le topos par le foncteur de Yoneda. Dans le, dans le topos euh, classifiant. ET, de t. Le topos ET oui. euh, il y a des objets abéliens. Et les objets oui. abéliens du topos T, ça forme une catégorie abélienne. Oui. Alors M, c'est une sous-catégorie pleine oui. abélienne de oui. ça. Oui. Oui. Mais on l'a construit comme une, on l'a construit d'abord comme une sous-catégorie pleine de E. Donc il y a juste une structure catégorique. Simplement, comme vous savez, le fait pour une catégorie d'être abélienne n'est pas une structure supplémentaire. C'est une propriété de la catégorie. Ah, donc, so, so you are la the, the map de M, M aussi not pas seulement to the topos, mais à la catégorie de un d'objets dans le topos. Et c'est aussi une formule facile et exacte. Oui. Et exact c'est Oui. Et oui. la oui. map de to the topos itself elle-même est aussi Voilà. Mais bon, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on ne passe pas trop de temps là-dessus, parce que là, on en est vraiment euh, même pas au début. De... Là, là c'est juste une reformulation de ce qu'on a fait les deux fois précédentes. Mais parce que, donc. Euh, donc, ici, il y a des, euh, en fait, il y a des bons éléments dans cette définition, hein, c'est-à-dire le fait d'interpréter euh, les, 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 les foncteurs cohomologiques comme des points, euh, de voir les réalisations cohomologiques comme des foncteurs fibres. Là, donc, tout ça, c'est ce qu'on veut. Simplement, euh, cette définition euh, présente des défauts. Hein, bon, d'abord, elle est conjecturale, évidemment. Et puis, euh, même si tout était connu, euh, ce qui, bien sûr, est le cas en caractéristique 0, en hein, caractéristique 0, vous savez, D'après les, les théorèmes de comparaison d'Artin, euh, vous savez que la théorie régulière associée aux différents foncteurs est la même. Euh, mais donc, même dans ce cas-là, il y a quand même des défauts. Euh, euh, c'est que le, euh, bon, le premier défaut, c'est qu'on ne prend pas en compte, on oublie euh, les corps de coefficients naturels. Hein, parce que, le, je sais pas, la comologie, elle a dit qu'elle a la coefficient en QL, donc là, on l'a regardé comme un coefficient en Q, mais c'est un peu bizarre. Euh, donc, on n'a pas, euh, 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 on a oublié ça, et puis, euh, comme corollaire, euh, on ignore euh, les questions euh, de dimension, hein, complètement, c'est-à-dire la, la théorie régulière, la, la logique régulière, le fragment régulier de la logique du premier ordre, ne voit absolument pas les dimensions. C'est pour ça d'ailleurs qu'en changeant de corps de coefficient, on trouve quelque chose qui, malgré tout, reste intéressant. C'est parce que les questions de dimension ne sont absolument pas prises en compte par ça. Bon, et puis il y a. Euh, il y a aussi des choses enfin qu'on aimerait bien euh, mettre dans le schéma général, c'est-à-dire la structure tensorielle, hein, les motifs ça doit être une catégorie tanakienne, et puis euh, le, le, le passage au dual, on doit avoir une structure tanakienne euh, rigide. Euh, voilà. Euh, donc euh, euh, on voudrait euh, essayer de remédier à ces défauts. Alors euh, 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 donc euh, on cherche, euh, on voudrait un topos euh, classifiant ET ou des topos, euh, des topos classifiant ET euh, qui euh, permettent de, justement de répondre à ces questions hein, c'est à dire euh, qui permettent de, de, de considérer les choses comme un coefficient variable hein, donc il faut mettre dans la théorie le fait qu'on a des corps de coefficients variables et puis il faut intégrer les questions de dimension Bon, également, le produit tensoriel et le passage au dual. Euh, voilà. Alors, euh, donc pour ces raisons-là, euh, euh, Olivia propose de rechercher un topos classifiant euh, qui est atomique à deux valeurs. Donc, il euh, faut que je précise, euh, c'est euh, la définition 12, ce que ça signifie pour un topos d'être atomique à deux valeurs. Alors, d'abord, il y a la notion de, de topos atomique. Hein, donc, c'est une notion qui est, est due à Barr et Diaconescu. Euh, donc, un, un topos est atomique si euh, chaque objet du topos est Somme, somme disjointe d'atomes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un atome euh, C'est un objet non vide euh, qui ne possède aucun sous-objet propre. Non vide. Non vide un objet non vide du topos, hein, ce n'est pas l'objet initial, et qui ne possède aucun sous-objet propre. Donc c'est une définition. Oui, là, aucun sous-objet propre non vide, oui. Enfin, y a, disons les seuls sous-objets, il sous euh, y a le vide et lui-même, voilà, il y a rien d'autre. Hein. Donc ça c'est la définition d'atomique. Et euh, la deuxième définition, c'est euh, dire qu'un topos est à deux valeurs. Euh, euh, donc, euh, ça signifie euh, que son objet final est un atome, au sens que je viens de dire. Hein, donc là, euh, d'ailleurs, euh, Olivia ne sait pas qui introduit cette définition pour la première fois. Là. Elle pense c'est une définition qui vient des logiciens. On va voir tout de suite euh, pourquoi cette définition est euh, très naturelle du point de vue de la logique. Alors, euh, alors, pourquoi euh, proposer, pourquoi rechercher euh, un topos qui vérifie ces, un topos classifiant des théories cohomologiques qui vérifie ces deux valeurs euh, Alors, euh, donc c'est des, des remarques à propos de la, la définition. Alors. Euh, la première remarque, on suppose une définition. Euh, donc, une théorie euh, géométrique, euh, respectivement du premier ordre, euh, est dite complète euh, si elle est non contradictoire, bien sûr. Et si toute formule géométrique, respectivement euh, du premier ordre, euh, phi, donc dans la signature de la théorie, qui est fermée, alors fermée, ça veut dire sans variable libre. Donc si toute telle formule... Et démontrablement vrai, dans la théorie, donc démontrablement vrai, ça veut dire que euh, euh, le vrai implique phi, ou démontrablement fausse. Ce qui veut dire que la formule implique euh, le faux. Hein, et donc vous voyez qu'ici, vous avez deux notions de complétude. Vous avez la complétude au sens géométrique et la complétude au sens du premier ordre. Évidemment, la complétude au sens du premier ordre est quelque chose de beaucoup plus fort, parce qu'il y a beaucoup plus de formules du premier ordre que de formules géométriques. Fermées. Euh, alors, donc là, on a les propriétés suivantes c'est que euh, si T est géométrique, T est complète, donc au sens géométrique, si et seulement si. Euh, son topos classifiant est à deux valeurs. C'est une équivalence. Et on a quelque chose d'encore mieux, enfin on a, disons on a une propriété supplémentaire qui se marie avec la précédente, c'est que si vous supposez de plus que le topos classifiant est atomique, alors, pour cette théorie, la complétude géométrique c'est-à-dire le fait que le topos soit à deux valeurs, équivaut à la complétude du premier ordre. C'est-à-dire ça équivaut à quelque chose qui en général est beaucoup plus fort. Hein? Donc euh, quand, si vous avez un topos qui est atomique à deux valeurs, et eh bien la, qui classifie une théorie T, nécessairement cette théorie est complète non pas seulement au sens géométrique, mais au sens du premier ordre. Est-ce que dans le formalisme logique que vous avez esquissé, sans donner les détails, oui. sur les, les démonstrations dans votre oui. système, Donc vous avez un variant géométrique et après le premier ordre qui est plus riche. Mais est-ce que oui. si on peut démontrer quelque chose de géométrique avec les règles de premier ordre, c'est oui. la même chose qu'on peut le démontrer seulement avec les règles... Géométrique, oui, parce que les, les, les règles d'inférence entre, entre séquences sont les mêmes. Non, mais on mais peut imaginer qu'en se permettant d'avoir des, oui, oui, oui. des choses de premier ordre oui. au milieu. C'est hein. conservatif. C'est conservatif, c'est-à-dire que ça réfléchit. Si quelque, quelque chose de géométrique est démontrable au premier ordre, alors c'est de. A des actions de géométriques, ordre. alors c'est ah de... ouais, ouais, ouais. Ok. OK. Bon, donc euh, voilà. Donc ici, donc, si le topa, un topo classifiant est atomique à deux valeurs, la théorie est complète. Or ici, il y a une remarque importante, c'est que les notions de dimension d'espace vectoriel est formulable par des formules fermées au premier ordre, mais pas dans la logique géométrique. La logique géométrique n'est pas suffisante pour formaliser la notion de dimension par des formules fermées. Non, mais on peut de, de formuler la notion de dimension égale à quelque chose, donc dimension 5, mais pas la notion de dimension comme en relation entre un naturel et le... C'est quoi la dimension pour vous C'est formuler la notion de dimension n pour chaque n oui. séparément ou formuler oui. la notion... pour chaque n séparément. Chaque n séparément, euh, enfin, en fait, ce qu'on va formuler, c'est le fait d'être de dimension au moins égale à n, pour chaque n. Au moins égale à n, ouais. ou inférieur à n, c'est le côté. Oui. Oui. Mais on ne peut pas, par exemple, formuler la notion d'avoir une dimension finie. Ça, c'est un truc qui de... demande. Oui oui, 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 tout à fait, oui. oui, oui. Donc, euh, ça, veut, euh, ça veut dire, on va... pour, pour avoir la, la notion de dimension générale, on va considérer tous les entiers. Euh... C'est parce qu'il y a des disjonctions infinies. Ah, oh, oh non, si vous avez permis des choses infinies ouais. dans votre système, ouais. donc... Déjà, dans la logique géométrique, on a des disjonctions infinies. Simplement, encore une fois, euh, encore une fois, donc je, ici, ce qui est important, c'est que la notion de dimension peut être fo formulée par des, des formules fermées, sans variables libres, dans la logique du premier ordre, mais pas dans la logique géométrique. Et dans la logique du premier ordre, vous, vous permettez aussi des de, de, de formules infinies, aussi ou... Oui. Ah, donc ça répond ça ah ouais. à... Ouais parce que avec ça, on peut aussi... Ça dépend un peu de la notion de l'espace vectoriel. On peut supposer que l'espace vectoriel, euh, la, la dégrégalité est décidable ou pas sur l'espace sur vectoriel. C'est aussi une notion géométrique de l'espace vectoriel. Oui, 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 tout à fait. Oui. Et dans ce cas-là, la notion de dimension a un sens. Non, elle a un sens. Oui, mais le, le problème, c'est de, de pouvoir la formuler par une formule fermée. Hein, encore une fois, la notion de complétude, ça ne porte pas sur les, les implications générales entre formules, ça porte sur le fait qu'une formule va être démontrablement, une formule fermée, sans variable libre, va être démontrablement vraie ou démontrablement fausse. Vous voyez que si vous voulez formuler la, la notion de dimension, nécessairement, vous allez faire apparaître une implication. C'est-à-dire, si vous avez lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus lambda n x7 égale 0, ça vous implique lambda 1, lambda 2, lambda n égale 0. Or, les implications, en tant que langage interne de la théorie, les, les implications ne sont pas admises dans la logique géométrique. Mais elles sont admises dans la logique du premier ordre. Hein, J'avais vu ça là, il y a une semaine. Euh, voilà, donc ça c'était la première remarque. La deuxième... Euh, Remarque, c'est que pour un, un topos qui est atomique à deux valeurs, euh, euh, donc si euh, ET, ET pardon, est atomique à, à deux valeurs, euh, ces foncteurs fibres euh, en les différents points euh, sont, euh, sont euh, très bons. Enfin, ils vérifient des propriétés euh, qui ne sont pas vérifiées en général par les points des topos ils sont conservatifs. Et il commute aux limites et co-limites arbitraires. Hein, pas simplement finis, mais arbitraires. Et enfin, il commute à la formation des hommes internes. Hein, ce qu'on appelle des exponentiels en logique. Hein, donc ça, c'est entraîné par le fait que le topos est atomique à deux valeurs. C'est pas du tout vrai en général. Donc ça, ça euh, évidemment... Euh, 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 ça veut dire que si vous vous, euh, vous restreignez vos foncteurs fibres euh, à la catégorie des objets culinaires du topos, euh, si, hein, si vous regardez les objets euh, culinaires, bah ben, ça a des conséquences, c'est que les foncteurs fibres euh, vont être euh, exacts et fidèles. Euh, euh, bien sûr, bon, ils vont respecter le produit tensoriel, mais ça c'est vrai en général, parce que pour ça il suffit de respecter euh, euh, les, euh, euh, il suffit de, de, de respecter les, les, les colimites arbitraires et les limites finies. Euh, et puis, euh, il va également euh, respecter le passage au dual. Hein, parce que le passage au dual, c'est un cas particulier de ça. Hein, donc, alors que pour des foncteurs fibres généraux, euh, ça ne serait pas vrai. Euh, bon, une autre remarque qu'on peut faire. Euh, encore, c'est que euh, donc, si ET euh, est atomique à deux valeurs, alors la théorie T est maximale. Donc ça, c'est une remarque en passant. Donc maximale, ça veut dire qu'on ne peut pas rajouter à T des axiomes, on ne peut rajouter à T aucun nouvel axiome qui n'est pas démontrable dans la théorie sans, sans obtenir une contradiction. Euh, alors la quatrième remarque qui est très importante, parce que jusqu'ici, je ne vous ai pas donné d'exemple. Euh, C'est euh, une classe très générale de topos atomique euh, du, euh, de topos atomique à deux valeurs. Vous prenez pour G un groupe topologique et euh, vous lui associez le topos des ensembles discrets avec action continue de G. Ceci est un topos atomique à deux valeurs. Et même, euh, bon, on va voir un peu plus loin qu'il y a une sorte de réciproque partielle pour ça je ne dis pas que tout topos atomique a deux valeurs et de cette forme là mais quand même souvent ils sont de cette forme euh, alors évidemment les atomes c'est quoi ben, c'est les ensembles discrets munis d'une action transitive hein, donc la décomposition en axiome ça correspond simplement à la décomposition en orbite pour l'action du groupe je dis que si le, le topos classifiant est atomique à deux valeurs alors la théorité est maximale on ne peut pas lui ajouter d'axiome sans aboutir à une contradiction. Alors, euh, donc voilà les remarques que je voulais faire. Ensuite, il y a une proposition euh, qui est euh, une proposition euh, de Barre et Diaconescu euh, qui exhibe. Euh, en fait, une famille très grande de topos atomiques à deux valeurs. Euh, pardon, de, de, pardon de, une, une famille très grande de topos, euh, de, 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 de topos atomiques, pour le moment. Alors, leur procédé général, c'est le suivant. Donc, ils considèrent C, euh, une catégorie qui satisfait la propriété d'amalgamation, hein, que je vais noter PA, propriété d'amalgamation. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que chaque fois que je me donne trois objets dans la catégorie, reliés entre eux par deux flèches, hein, donc là vous avez trois objets quelconques de la catégorie, alors vous pouvez toujours compléter ça en un carré commutatif dans la catégorie. Hein, et euh, on ne demande rien d'autre au morphisme, c'est... Voilà, chaque fois. Donc propriété d'amalgamation. Alors si vous avez cette propriété... Vous pouvez mettre sur la catégorie euh, une topologie de Grothendieck qui s'appelle la topologie atomique pour laquelle tout crible non vide est couvrant. Donc ça vérifie euh, les axiomes des cribles, euh, c'est-à-dire les axiomes des topologies de Grothendieck, à cause de cette propriété d'amalgamation qui suffit hein, pour reprendre euh, l'image réciproque d'un crible par, par une flèche. Catégorie. Mais il semble que c'est la catégorie opposée. Ah. Si vous avez la propriété d'amalgamation. Pour... Euh... Euh... Euh, oui, vous avez raison. C'est la catégorie, euh, la catégorie opposée. Donc, euh, le... donc dans ce cas-là. Donc, le, 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 le théorème, c'est que dans ce cas-là, le topos associé euh, donc à la catégorie opposée, opposée munie euh, de cette topologie, ce topos est euh, automatiquement atomique. C'est pour ça que cette topologie s'appelle la topologie atomique. Donc, c'est un moyen extrêmement général. Euh, d'exhiber de, euh, euh, des, euh, des euh, topos atomiques. Au plus peut-être la catégorie non V, sinon n'est pas le topos moi, oui. okay. Donc dans le PA, il faut ajouter non. Ok. Bon. Alors euh, donc euh, maintenant. On cherche euh, une. Euh, de, donc de même qu'il y a ce théorème de Barre et d'Iaconescu pour euh, produire des topos atomiques, euh, on peut se demander immédiatement comment produire des, des topos atomiques à deux valeurs. Et donc la réponse est fournie par le, le, ce théorème-là, hein, qui est vraiment euh, le théorème central pour ce que je suis en train de raconter. Euh, donc je vais expliquer ce que ça veut dire. Alors, vous partez de S, une théorie de type préfesso. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que son topos, son topos classifiant est un topos de préfaisseau. Ça veut dire qu'il est équivalent euh, au topos euh, des foncteurs contravariants sur une certaine catégorie, sans topologie. Euh, voilà, donc vous prenez une catégorie de type préfesso quelconque. Par exemple, toutes les, euh, toutes les théories algébriques euh, sont des théories de type préfesso. La théorie des groupes, des anneaux, euh, toutes les théories euh, des, des modules, des espaces vectoriels, toutes ces théories-là sont des théories de type préfesso. Euh, ensuite, vous introduisez la catégorie des modèles finiment présentables de cette théorie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un modèle est finiment présentable Ça veut dire que le foncteur des homomorphismes de M dans, euh, 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 dans le, un modèle quelconque, donc euh, ce foncteur-là euh, commute au euh, euh, colimite, co filtré. Arbitraire. Donc c'est une définition. Hein? Et, euh, et en fait, euh, par exemple, pour les théories algébriques, ça correspond vraiment aux objets engendrés par un nombre fini d'éléments. Des modèles De quoi Donc il y a une notion de colimit filtrée du modèle Oui, parce que. Le, vous avez, alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, Ici, attention, je suis en train de parler de modèles ensemblistes. Hein? C'est-à-dire, j'ai une théorie. Et je regarde ces modèles dans la catégorie des ensembles. Donc ça, c'est une catégorie sur cette, la catégorie des modèles de la théorie dans les ensembles. Et, là, peut... et, et dans cette catégorie, ça a un sens de demander que ce foncteur commute aux limites filtrées arbitraires. Donc il y a une notion de morphisme de modèles. Et des... Bah oui, parce que c'est une catégorie. On l'a déjà dit. Et, et, donc... et les collimites filtrées sont encore des oui. modèles. Oui, encore des modèles. Oui. Ah, okay. pour ce type de théorie. Alors, euh, voilà. Donc, vous prenez cette catégorie. Alors, le, le premier résultat, c'est. voyez, la, la définition, c'était que c'est. Euh, théorie de type préféso, ça veut dire équivalent à une certaine catégorie de, de, de préfesso. Mais on euh, ne on dit, on dit pas laquelle. Et là, le point, ça précise. Ça veut dire qu'en fait, dans ce cas-là, nécessairement, ce topos va être équivalent à la catégorie des préfesso sur C. Comment dire, ça marche avec C. Ça marche avec C. C'est le premier résultat. Le deuxième résultat, si C vérifie la propriété d'amalgamation, alors euh, ce topos est atomique. Donc ça, j'ai simplement recopié euh, ce résultat de Barr et Diaconescu. Oui oui, 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 oui. Oui, on suppose effectivement qu'il y a des modèles ensemblistes. Effectivement, j'aurais dû mettre cette hypothèse. Vous prenez une théorie de type Préfesso euh, euh, mais je pense que ça doit être automatique en fait pour une théorie de type préfesso d'avoir des modèles ensemblistes. C'est automatique parce que, le... enfin, bien sûr, vous prenez une théorie euh, non triviale, hein, et dans ce cas-là, à cause de ce théorème, ça impose. Euh... Non, c peut être ça ne gêne pas. Bon. Euh... est-ce qu'on sait si c'est une petite catégorie ou... euh... En général, euh... oui, elle, disons, elle va être équivalente à une petite catégorie. Hein euh, voilà. Donc la, la troisième propriété, c'est la suivante, c'est que ce topos, euh, donc dont on sait déjà qu'il est atomique d'après Barr et Diaconescu, est à deux valeurs. Si et seulement si, c'est une équivalence, C vérifie la propriété de plongement conjoint. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous vous donnez deux objets de C, de la catégorie des modèles finiment présentables, vous pouvez toujours les envoyer dans un troisième. Alors, ici, bien sûr, on fait l'observation que si la catégorie C a un objet initial, euh, la, théorie, la propriété de plongement conjoint résulte de la propriété d'amalgamation. Hein, parce que. Euh, hein Et les morphismes de modèles qu'on considère, ces deux morphismes, est-ce qu'ils sont un symbolisme injectif ou pas Non, donc là, dans les définitions, on ne le met pas. Mais votre question, Donc, ça sera une remarque que je vais faire, c'est-à-dire que cette théorie va être intéressante. Disons presque seulement si les flèches sont des monomorphismes. Mais le, le, je vais faire la remarque un peu plus loin. Hein, mais le, donc dans les travaux d'Olivia, vous avez un théorème très précis qui vous dit euh, quand exactement cette, cette théorie va donner quelque chose de non trivial. Hein? Mais le, voilà, donc vous avez ça. Hein, donc, euh, la, voilà, ce topos est à deux valeurs si et seulement si cette propriété est vérifiée. Euh, la quatrième propriété, on suppose que la propriété d'amalgamation est vérifiée, donc on a ce topos dont on sait déjà qu'il est atomique. Et alors là, c'est le, le fait que euh, les points de ce topos s'interprètent comme les modèles de la théorie S, qui sont, les modèles ensemblistes de la théorie S, qui sont C homogènes. Donc C homogène, ça veut dire quoi Ça veut dire si vous vous donnez deux objets quelconques de C donc de la catégorie des modèles finiment présentables, reliés par une flèche, plus une flèche de A dans ce, cet objet U, alors nécessairement, vous pouvez compléter cette flèche en une autre faisant commuter le triangle. C'est la propriété de C-homogénéité. Et donc, le, le, le point 4, c'est que les, les points de ce topos, dont on sait déjà qu'il est atomique, c'est exactement les modèles homogènes. En ce sens-là. Le point 5, on suppose que C vérifie euh, les amalgamations et plongements conjoints, et on se donne un point U qui est non seulement homogène, mais ultra-homogène. Alors, ultra-homogène, ça veut dire chaque fois que vous vous donnez un, un objet A de C, euh, avec deux flèches dans U, eh bien, vous pouvez transformer la première flèche en la deuxième via un automorphisme de U. Donc, ça, c'est l'ultra-homogénéité. Et puis, on demande aussi l'universalité, c'est-à-dire que tout objet de A s'envoie dans U par au moins une flèche. Donc, supposez que vous ayez un U qui est à la fois donc, homogène, ultra-homogène et universel. Alors, nécessairement, ce topos, dont on sait qu'il est atomique, a deux valeurs, puisque euh, sait vérifier à la fois euh, l'amalgamation et le plongement conjoint. Donc, ce topos-là est équivalent, au topos des actions continues du groupe des automorphismes de U. Ici vous avez G égale O de U, avec la topologie évidente, c'est-à-dire celle qui euh, ou les ouverts, c'est ce qui fixe les, euh, les objets de C. Donc, euh, donc c vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y a une réciproque partielle au fait que les topos atomiques à deux valeurs comprennent les, les actions continues des groupes. Donc ici, si vous avez un... Euh, un, un modèle homogène, qui, est, qui au moins un qui est ultra-homogène et universel, alors on a ça. Voilà. Et euh, alors, je veux, euh, Ici, je veux faire un certain nombre de remarques, comme d'habitude. Euh, donc, j'ai dit que. Voilà. Donc, ça, c'est un théorème très général qui permet de construire des topos atomiques à deux valeurs. Mais là, la première remarque, c'est que tout. Topos atomique à deux valeurs peut être construit de cette manière. Et euh, en général, pas d'une seule façon, hein, de, de pleine façon. C'est-à-dire, pour construire n'importe quel topos atomique à deux valeurs, vous pouvez toujours partir d'une théorie de type préfesso et dérouler cette machine. Donc, ça veut dire que notre, notre, notre construction, en un sens, elle n'est pas particulière. Hein, c'est vraiment euh, les topos atomiques à deux valeurs, on les obtient toujours comme ça. Alors, euh, là, là, ici, une autre remarque extrêmement importante, c'est que considérez le, le topos classifiant. Alors, euh, vous supposez que vous vous donnez une théorie T, dont le topos classifiant, hein, c'est-à-dire le, le topos des... Des faisceaux sur euh, la catégorie syntactique munie de la topologie syntactique, vous supposez que vous avez une théorie T dont le topos classifiant est équivalent à, euh, à ce topos-là. Hein, donc, dans, dans cette situation-là. Hein, autrement dit, vous avez supposé que la propriété d'amalgamation est vérifiée. Vous supposez que vous avez cette équivalence. Alors, vous voyez que le point 3, c'est le fait que ce topos est à deux valeurs, si et seulement si la catégorie C vérifie la propriété de plongement conjoint. Mais tout à l'heure, je vous ai dit que dire que ce topos est à deux valeurs, c'est équivalent à dire que cette théorie est complète. Donc ici, vous avez que T est complète, si et seulement si la catégorie C vérifie la propriété de plongement conjoint. Donc ça, c'est euh, un exemple euh, typique et euh, particulièrement frappant de ce que euh, Olivia appelle les ponts topos théoriques. C'est-à-dire que vous avez deux propriétés, a priori euh, complètement étrangères, qui sont mises en relation, et là, en équivalence, via une équivalence de topos voyez que sans la théorie des topos, le, honnêtement, vous euh, voyez ici, la théorie complète, donc là, une notion de logique. C'est équivalent à la propriété de plongement conjoint sur une catégorie. Et en même temps, si vous demandez à un logicien, si vous parlez de, de, de complétion des théories à un logicien, il va vous dire, ah oui, mais montrer qu'une théorie est complète, c'est extrêmement difficile, en général, c'est impossible. Ben, là, vous avez un critère. Si vous savez que le, le topos classifiant d'une théorie est de, est de cette forme-là. Et puis, bon, on peut aussi faire la remarque que le... Quand on est dans cette situation, on sait déjà que ce topos est atomique. Donc on sait que la, la complétion au sens géométrique est équivalente à la complétion au sens du premier ordre. Donc ici, vous prenez la complétion de la théorie, la propriété pour la théorie d'être complète, en l'un ou l'autre des deux sens, c'est-à-dire au sens du premier ordre, c'est équivalent à cette propriété-là. Je veux juste dire que, point de vue des logiciens, il y a un logicien, Abraham Robinson, qui a développé toute une théorie de la relation entre la catégorie des modèles et euh, les propriétés de la théorie, comme par exemple euh, exactement ce théorème-là, c'est quelque chose qui est très familier au logiciel, à cause des travaux d'Abraham de Robinson. Celui de l'analyse dans standard oui. Oui. Bon, ah, oui. Bon, moi je ne sais pas, le... enfin en tout cas, on a cette euh, cet équivalence et le... Euh... Donc, le... Vous voyez que ici, euh, euh, la théorie C, C, n'est pas les modèles de T, hein. C, c'est les modèles, euh, les modèles finiment présentables de S. Et ça, pas pareil. Donc il y, y, y a deux topos différents. Il y a deux topos différents. Hein, vous avez un topos de préfaisceaux voilà. et puis dedans, vous avez un topos de faisceau qui lui est atomique. Alors que, bien sûr, le premier là ne l'est pas. Hein oui, mais euh, formuler cette théorie en termes de topos. Bah oui, là je pense que le, si vous voulez, pour formuler un énoncé comme ça, je ne pense pas qu'il est, il est possible d'éviter de, de, la notion de topos. Hein. On a vraiment, vous voyez, là l'hypothèse, c'est d'avoir une équivalence de topos. Euh, alors, euh, euh, alors, bon, je peux donner des, Ensuite, dans, dans les remarques, je peux donner des exemples. Alors, euh, le premier exemple, c'est quand vous prenez pour S la théorie des extensions algébriques euh, d'un corps. Cette théorie est de type Préfesso. Ces modèles finiment présentables, euh, euh, la, la, euh, ces modèles... Euh, la, 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 euh, oui, alors quand je dis extension algébrique et extension algébrique séparable... Euh, ces modèles euh, finiment présentables, c'est simplement les extensions finies. Euh, euh, et ces modèles homogènes, c'est les clôtures algébriques du corps. Tu fixes un corps. Oui, je fixe un corps. Hein, donc c'est un exemple. Je fixe un corps et je regarde la théorie des extensions algébriques séparables de ce corps. Hein, donc c'est même l'exemple standard. C'est-à-dire euh, ceci recouvre en particulier la théorie de Galois. Euh, euh, un autre exemple qui est euh, élémentaire mais, euh, mais frappant, c'est ce qu'on appelle euh, la théorie des objets décidables. Donc vous prenez pour S euh, la théorie des objets décidables. C'est un, un terme de logicien, donc ça veut dire que vous avez une sorte, une seule sorte, et une relation qui est la relation x différent de y. Donc, dans ce cas-là, euh, qu'est-ce que c'est que les modèles finiment présentables euh, Ce sont les ensembles finis. Qu'est-ce que c'est que les flèches entre ces modèles C'est les injections. Pourquoi les injections C'est parce qu'on doit préserver cette relation. Donc, euh, la catégorie C, c'est la catégorie des ensembles finis et de leurs injections. Qu'est-ce que c'est que les modèles homogènes C'est les ensembles infinis. Catégorie des objets décidables. Et vous avez défini ce qu'est un objet décidable en général Oui, je définis la théorie. La théorie des objets décidables, donc il y a une sorte et une relation qui est la relation de différence. Pourquoi on appelle ça la théorie des objets décidables ah, Parce que ça distingue les choses les unes des autres. C'est le complémentaire de l'égalité. De, de, de bon, c'est un terme, de, je ne sais pas qui Est-ce que c'est Johnston ou le... Okay, ai bon, voilà, de toute façon, elle est définie par ça. Donc les modèles, les modèles finiment présentables sont les ensembles finis reliés par les injections. Les, objets homogè les, les, les modèles homogènes, ce sont les ensembles infinis. Euh, et vous observez qu'ils sont non seulement homogènes, mais aussi ultra-homogènes et universels. Donc ça veut dire que vous vous donnez n'importe quel ensemble infini et le topos de la, la, de la théorie des modèles homogènes. Euh, il va être équivalent au topos des actions continues du groupe des automorphismes de cet ensemble infini. Donc là, vous voyez, c'est un exemple complètement élémentaire, mais assez éclairant, parce que vous voyez que dans l'exemple précédent, on a les différentes clôtures algébriques dont on sait qu'elles sont isomorphes si on suppose l'axiome du choix. Tandis que là, les points ultra-homogènes, c'est les ensembles infinis, ils ne risquent pas d'être isomorphes. Ensemble infini de cardinal quelconque. Et donc, les groupes d'automorphisme de ces points sont des groupes topologiques qui ne sont pas du tout isomorphes entre eux. Peux... Mais ils ont tous le même topos associé. Pourquoi tu ne peux pas avoir quelque chose de plus gros que la clôture algébrique dans le, dans le cas précédent Non, parce que c'est la, la théorie des extensions algébriques. Ah, tu Voilà. Hein donc, euh, <laughs> c'est. <laughs> voilà. Euh, euh, voilà, donc, vous euh, donc euh, voyez, ça illustre. Euh, donc, cet exemple est important parce que justement, il illustre le fait que les points peuvent, avoir, peuvent être franchement différents les uns des autres, hein, comme les, les, les ensembles infinis. Euh, euh, donc, vous voyez, c'est dire que la, la situation traditionnelle de Galois, elle est particulière à cet égard. Hein, et néanmoins, donc, euh, même si les points sont très différents, si leurs groupes d'automorphismes sont complètement différents, néanmoins, le topos associé est toujours le même. Ce qui illustre le fait que l'important, c'est le topos. Euh, voilà. Euh, donc le, voilà le contexte général. Et alors tout à l'heure j'ai dit euh, euh, bah, euh, disons là, là, là au moins l'hypothèse de travail d'Olivia c'est de chercher un topos classifiant des théories homologiques euh, qui euh, soit atomique à deux valeurs. Bon bah on va essayer de le, de le, de le construire de cette manière-là. De toute façon on a dit que tout topos atomique à deux valeurs peut être construit comme ça. Alors, oui, il y a une dernière remarque que je dois faire, euh, qui, enfin, que, en fait, qui a déjà été faite avec la, la, la remarque d'Offert, c'est que, euh, en fait, cette théorie est intéressante. J'ai dit presque seulement si toutes les flèches de la catégorie C sont injectives. Comme on a vu d'ailleurs dans les exemples que j'ai donnés, c'est-à-dire les extensions de corps, quand vous envoyez une extension finie dans une autre extension finie, c'est injectif. Et puis la théorie des objets décidables, ces modèles sont les. Euh, enfin les, les flèches sont injectives puisqu'il y a la relation différente justement quand vous avez le modèle donc il y a certaines fonctions donc, sortes de fonctions et tout ça donc, dans la théorie ici il n'y a pas, de, dans la théorie des objets décidables il n'y a pas de symbole de fonction ah, okay, mais, en général, mais en général oui il y en a il y a des modèles donc ça ah, préserve ouais. les fonctions mais il y a aussi des relations oui. mais est-ce que l'égalité est en des relations donc si l'égalité est une relation c'est <coughs> Donc, en faisant modèle doit être injectif. Je ne sais pas exactement, mais si, si ça conserve les relations d'égalité... Être... Non, il faut, pour avoir de l'injectivité, il faut plutôt conserver des relations d'inégalité. Ah, conserver au sens faible. C'est-à-dire ouais. que si la relation ou... est vérifiée... c'est vérifié par les images, par n'importe quelle flèche. Mais encore une fois, on est... Donc je ne veux pas être trop précis parce que j'ai dit que ce n'était pas exactement seulement si le, toutes les flèches sont injectives. Il y a des cas où les flèches sont pas, où on n'est pas très loin d'une situation où tous les morphismes sont des monomorphismes, et où c'est intéressant. Hein, donc, euh, bon, Olivier, a un résultat précis là-dessus, que d'ailleurs vous trouvez dans l'article topos motivique. Euh, voilà. Alors, donc maintenant, on voudrait réaliser, euh, euh, le, on voudrait euh, penser dans ce, ce cadre-là. Euh, euh, on voudrait penser dans ce cadre-là euh, les relations entre théories comologiques. Donc euh, euh, c'est la question 15. Hein, ça je pense que c'était le théorème 14. Que je laisse, hein, parce que c'est vraiment euh, le, le, le point central. Alors, euh, donc euh, ça veut dire voilà ce qu'on cherche. Alors en fait on cherche deux choses, c'est-à-dire d'abord on cherche une théorie S euh, de type préfaceau, hein, puisque c'est euh, la première hypothèse dans le, le théorème qui est là, et on veut que ces modèles finiment présentables, euh, enfin ce qu'on attend c'est que ce soit les sous-objets finiment engendré euh, des euh, représentations cohomologiques euh, du carquois D qu'on a mis au départ. Donc finiment engendré, ça veut dire quoi Ça veut dire que d'abord, euh, on va avoir un corps engendré sur Q par un nombre fini d'éléments, et puis euh, euh, on va avoir euh, ici simplement quand on a une telle représentation, bah, elle est composée d'une collection d'espaces de, vectoriels. On prend un nombre fini d'éléments dans certains de ces espaces vectoriels, et le modèle engendré, bah, c'est euh, tout ce qu'on peut obtenir euh, par euh, combinaison linéaire, images de flèches, euh, etc. Hein, donc on regarde les sous-objets euh, engendrés par un nombre fini d'éléments. Et euh, donc ce qu'on voudrait, c'est avoir une théorie S dont les modèles de présentation finie, dont les modèles finiment présentables, pardon, sont les sous-objets des théories cohomologiques. Donc y, évidemment quand je dis ça... Il euh, y a un sous-entendu, c'est qu'on s'attend à ce que pour les foncteurs comogiques classiques, euh, les sous-objets soient les mêmes. Hein, donc, euh, euh, donc, les, 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 voilà, donc les, les, les modèles finis, finiment présentables, ça doit être les sous-objets. Hein, donc, ça veut dire les S2D, euh, plongés dans T2D, stables par toutes, les, euh, par toutes les structures, et engendrés euh, par un nombre fini d'éléments. Et puis, les flèches, quand on a deux tels sous-objets, ben, les flèches de l'un dans l'autre, euh, autrement dit les flèches de cette catégorie, de la catégorie C de tout à l'heure, euh, ben, ça doit simplement être euh, les flèches entre les deux structures, euh, c'est-à-dire de, qui envoient S2D sur S'2D euh, en respectant toutes les structures. Bien sûr, je ne demande pas du tout que ces flèches soient compatibles avec les plongements dans, dans, euh, dans T. Hein. Comme, euh, vous voyez que la, toute la richesse de la théorie de Galois, c'est l'ambiguïté sur les sur les, 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 les morphismes. Hein. Vous ne fixez pas le, le, le plongement. Donc euh, voilà, on voudrait quelque chose comme ça. Et euh, donc on voudrait que cette catégorie euh, vérifie euh, les propriétés euh, euh, d'amalgamation et euh, de plongement conjoint. Bon, et puis euh, euh, ensuite on cherche une théorie T. Euh, déduite de la première. Hein, la première, on l'a appelé, appelée S, parce que euh, c'est une théorie qui, euh, dont on attend qu'elle classifie les sous-objets. Le S, c'est pour sous-objets. sous, sous euh, euh, Donc, ce qu'on attend, c'est que ET, euh, le topos classifiant de T, soit équivalent euh, au topos euh, donc, euh, des, des faisceaux sur, sur C pour la topologie atomique. Euh, euh, voilà. Et euh, évidemment, ce qu'on veut, c'est que les, les représentations cohomologiques classiques soient des points de ce topos. Autrement dit, des modèles homogènes de la théorie S. Ce qui veut dire en particulier qu'on s'attend à la chose suivante, c'est que quand on a un foncteur comologique, euh, ben chaque fois qu'on prend un sous objet euh, euh, engendré par un nombre fini d'éléments, ben lui, on doit pouvoir l'envoyer dans n'importe quel autre foncteur comologique. Hein, donc par exemple, ça contient le fait que les valeurs propres doivent être les mêmes, euh, etc. Hein, c'est l'idée que en quelque sorte, les, les, les foncteurs cohomologiques, donc un coefficient dans les QL-bar pour différents L dans QP-bar, euh, évidemment, ils sont pas du tout. Il n'y a aucun moyen. De le, ils ne sont pas du tout isomorphes entre eux. Mais en revanche, chaque fois qu'on prend dedans des sous-objets finiment engendrés, c'est ça qui doit être possible de, de transposer. Et en fait, donc, on imagine ça comme une situation beaucoup plus proche de l'exemple de, 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 de des, des objets décidables que de l'exemple de Galois. Parce que dans les angles de Galois, les différents points sont isomorphes entre eux. Et là, euh, pas du tout. Là. Comme tu dis, QL bar n'est pas. Enfin, on peut toujours dire que euh, QL bar est isomorphe à QL' bar, mais c'est complètement artificiel de faire ça. En revanche de... Ah oui, une autre chose que je dois dire, c'est que si, si c'est vrai, euh, euh, donc euh, disons, si les foncteurs homologiques classiques euh, s'interprètent comme des modèles homogènes, donc dans, dans la définition des foncteurs, il y a en particulier une sorte qui désigne le corps. Et il faut que le corps soit lui-même homogène, un modèle homogène de la théorie des corps. Alors qu'est-ce que c'est qu'un modèle homogène de la théorie des corps C'est un corps algériquement clos de degré de transcendance infinie. Donc évidemment, C, QL bar, QP bar sont des modèles homogènes de la théorie des corps. Donc ça veut dire que si on veut faire marcher toute cette théorie, bien sûr, il faut prendre les coefficients, non pas dans QL, mais dans QL bar. Voilà, donc ça c'est le... Euh, euh, voilà, donc, euh, le, voilà, le, le, donc on, on cherche ça. Euh, maintenant, euh, je vais encore faire des, des remarques. Mais on peut avoir des autres points, pas seulement l'économie oui. classique, mais on peut avoir des autres points. Vous voulez que tous les points soient... On... Euh, oui, il peut y avoir des autres points, oui. On n'exclut pas ça. Mais euh, si on a un schéma comme ça, ben, on aura que tous les points vérifient les mêmes propriétés. Donc en particulier les dimensions d'espace vectoriel. Euh... Est-ce que vous souhaitez que les, comptes les points topologiques soient des points de toposaturation Oui, à deux valeurs. Du moins, on cherche ça. Et, et euh, à deux valeurs. Atomique à deux valeurs. Bon, alors il me semble qu'il y a un problème là, parce que euh, si le topos est construit de façon dénombrable. Euh, il me semble que ça entraîne que tous les points sont dénombrables, sont isomorphes de 2 à 2. Non, mais à, à cause de. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire construire de manière dénombrable euh, Ça veut dire que les générateurs de la, de, du topos, ouais. c'est une catégorie dénombrable, que la topologie est décrite euh, en donnant des conditions ouais, ouais. dénombrables et tout ça. Non, mais d'être isomorphe, le... euh, oui, bon, je suppose que bon, là, je, je... Euh, pour un résultat comme ça, là, là, même s'il est correct, j'imagine qu'il faut l'axiome du choix. Nécessairement. L'axiome du choix est vrai ah. bah, Oui, enfin, ça dépend. Quand on dit, par exemple, QL bar isomorphe à QL prime bar, euh, donc avec l'axiome du choix, c'est vrai, mais en même temps, c'est. Non, 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 la question c'est est-ce qu'il est -ce qu suffit l'action du choix dénombrable C'est ça la question. Ouais, mais. Euh, est-ce est est que pour est démontrer l'isomorphisme entre deux points, est-ce qu'il suffit d'avoir l'action du choix dénombrable C'est-à-dire, est-ce qu'on peut le faire par récurrence ça la question. Euh, je, je pense qu'il suffit. Euh, essentiellement, ça équivaut au théorème de Maire. C'est-à-dire que pour démontrer ces choses-là, il faut montrer que. Quelque chose existait avant euh, par le topologie <coughs> et montrer que l'intersection de nombres ouvertes dans un espace métier complet. Ça, ça, ça c'est l'action du choix dénombrable. Ça suffit. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, ça contredirait le fait que tu as des théories cohomologiques qui sont artificielles dans des corps non isomorphes. Non, mais j'ai dit. Bon, disons. Non, mais de fait, les. Les barres, ils sont tous isomorphes à Non, pas avec l'action du choix dénombrable. Ils ne sont pas ils ont l'action du cheval. Ouais, bon. euh, so. Mais déjà, la question se pose pour la théorie des corps. Là, ce que vous dites. Oui, exactement. Hein, vous, avez absolu... vous pouvez oublier tout le formalisme homologique. Et là, il n'y a, a pas de doute que la théorie... que ceci marche au niveau de la théorie des corps. Mais est-ce que ça veut dire que si les points étaient les mêmes, tu aurais un isomorphisme euh, entre les corps je suis pas sûr. Non, je ne pense pas. Là. Non, non. Donc, je crois en fait, je ne crois pas. Euh, je crois pas à ce, à ce, à ce théorème. No, but those non, but points. Pour la théorie des corps, les modèles homogènes sont vraiment les. Là, vous prenez. Pour la théorie des corps, les modèles homogènes. Sont, encore une fois, je répète, c'est les corps algébriquement clos de degré de transcendance infinie. Et par exemple, vous n'avez aucune contrainte sur, le, le, sur le, le cardinal de cette transcendance. C'est-à-dire que. Oui. Donc, euh, le théorème, ça prend le dénombrable de la théorie. D'accord. Oui, mais, le, mais la, 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 donc la théorie S, d'accord, elle est dénombrable, mais ensuite, les points. Donc, je retire, je retire mon, mon énoncé, parce que bon. justement, le degré de transcendance permet de distinguer et. entre des corps et des, et des corps voilà, qui sont toutefois dénombrables. Et, ouais. Donc, il y a un résultat sur les le poids, le type de... Donc, le, bon, voilà. Donc, je continue. Euh, alors, euh, ici, une remarque qu'on peut faire, c'est... Donc, voilà. Voilà le schéma général qu'on veut. Alors, vous voyez, ça veut dire qu'on s'intéresse... Euh, donc, euh, bon, les théories cohomologiques, on voudrait que ce soit des modèles homogènes de S. Et puis, euh, on aurait les sous-objets des théories cohomologiques. Alors, ici, une remarque importante, c'est que... Quand on a une, une théorie cobologique, enfin un foncteur cobologique, bien sûr, il vérifie beaucoup de propriétés d'exactitude de suite exacte longue. Euh, mais euh, ces sous-objets euh, n'héritent pas de ces propriétés. Bien sûr, les sous-objets héritent de toutes les propriétés algébriques. Par exemple, chaque fois que vous avez deux flèches dont le composé est zéro, ça va rester zéro euh, sur, au niveau des sous-objets. Mais en revanche, l'exactitude, c'est-à-dire euh, l'image de la première égale noyau de la seconde, ça, ça ne sera pas hérité par les sous-objets. Donc ça veut dire que dans la théorie S, vous devez vous attendre à ne pas à perdre toutes les propriétés d'exactitude. Euh, euh, bon, un corollaire, je l'ai déjà dit, c'est que si ce schéma là marche, eh bien la, la catégorie formée à partir des modèles finiment engendrés d'un foncteur logique classique ne doit pas dépendre de ce foncteur. Euh, voilà, donc j'ai dit que bon, si on a une théorie cohomologique qui est un modèle homogène, nécessairement son corps de coefficient est un modèle homogène dont, autrement dire, un, un modèle homogène de la théorie des corps, autrement dire un corps algériquement clos de degré de transcendance infini alors euh, maintenant euh, bon j'ai parlé de de, de, de de modèles finiment présentables de, mais alors dans le cas des théories de Préfesso, on va avoir une équivalence donc c'est la définition 16, entre modèle finiment présentable et modèle présenté par une formule. Donc pour ça, il y a une définition, donc on prend M, euh, donc c'est un, euh, un modèle ensembliste euh, d'une théorie S, euh, et euh, on dit que M est présenté... Par une formule phi dans un certain contexte x, x égale x1, xn, euh, si et seulement si, euh, se donner une flèche de m dans un autre modèle ensembliste n, donc se donner une telle flèche, équivaut à se donner des éléments y1, yn euh, de n. Alors de n, ça veut dire de, dans les, les, les différents ensembles indexés par les sortes euh, de la théorie. Euh, voilà, donc ça équivaut à se donner euh, différents éléments, euh, tels que la formule phi de y1, phi de yn est valide dans n. Hein, donc c'est la, la notion de modèle présentée par une formule. Comme par exemple un groupe, euh, en général, vous allez le présenter par des générateurs et des relations. Hein Alors, euh, maintenant, vous avez le, le, le théorème suivant. Donc, c'est le théorème 17, euh, qui est également euh, un théorème d'Olivia. Je, je pense que ce n'est même pas dans l'un de ces trois articles, c'est dans un autre article encore. Euh, donc, c'est le suivant. Vous prenez toujours euh, une théorie euh, de type préfesso. Donc, toujours cette, cette hypothèse euh, euh, très importante, et vous regardez euh, sa catégorie syntactique, la catégorie syntactique de cette théorie, et dans cette catégorie syntactique, vous dites qu'un objet est euh, irréductible euh, euh, si c'est seul. Crible couvrant pour la, la topologie syntaxique euh, sont ceux euh, qui contiennent l'identité. Hein, donc ceux qui contiennent euh, toutes les flèches vers, euh, vers l'objet. Euh, alors c'est donc, euh, donc ici vous avez une hypothèse, une théorie de type préfesso. Là vous avez une définition, une définition d'objet irréductible dans la catégorie syntaxique. Et donc, le théorème, c'est que euh, la catégorie C, euh, donc euh, des modèles finiment présentables de S, est euh, 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 équivalente à l'opposé de la sous-catégorie. Pleine euh, de la catégorie syntactique euh, formée euh, sur les objets irréductibles. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que cette équivalence euh, Eh bien, euh, cette équivalence, euh, enfin, comment elle est, elle est définie concrètement ben, Quand on a euh, un modèle finiment présentable, le théorème dit qu'on peut toujours le présenter par une formule. Hein, les objets de la catégorie syntactique sont des formules. On peut toujours le présenter par une formule irréductible en ce sens-là. Et réciproquement, quand on a une formule irréductible, eh bien cette formule dans la théorie S, cette formule irréductible présente un, euh, modèle fini, un modèle finiment présentable de la théorie. Donc il y a équivalence ici. C'est-à-dire que se donner un modèle finiment présentable de la théorie, c'est la même chose que se donner une formule irréductible. Alors, euh pour ça, là, donc maintenant, on est en... En mesure de, de proposer une définition, j'ai envie de l'appeler définition de travail, euh, c'est-à-dire des candidats pour être les théories S et T. Euh, alors, le point de départ, euh, c'est qu'on se donne un foncteur cohomologique classique, euh, donc on va appeler T0, donc il va de D dans les espaces vectoriels. Un coefficient dans un certain corps euh, euh, K0, donc qui peut être euh, QL bar, QP bar, euh, C. On se donne un foncteur cobogique classique et à partir de ce foncteur, on va définir deux théories, S et T. Hein, de la même façon que dans les deux fois précédentes, avait, partant d'un foncteur particulier, on lui avait associé sa théorie régulière. Donc là, on, va, on fait une construction différente on va associer à ce foncteur deux théories. Alors, la, la construction se fait en, première, en, en plusieurs étapes. Euh, donc d'abord, il faut dessiner, des, des, bien sûr, euh, des signatures et, et, euh, et euh, des axiomes. Alors, il y a d'abord une signature de base. Donc ça ne va pas être euh, la signature de la théorie S. Euh, euh, ça va être la, euh, quelque chose qui est, disons, le pas avant S. Alors qu'est-ce qu'on met dans la signature de, de base Donc on met d'abord, bon il faut définir les sortes, donc on met une sorte pour le corps K euh, et euh, pour chaque euh, d, pour chaque objet petit d du, du diagramme d. Euh, ensuite bien sûr il euh, y a euh, euh, des symboles de fonction euh, pour euh, les structures donc de k structure d'anneau de k euh, et euh, de chaque sorte d donc c'est-à-dire euh, les structures k-linéaires de chaque sorte d tout ça c'est des symboles de fonctions euh, ensuite un symbole de fonction euh, pour chaque flèche de d bien sûr euh, et enfin euh, on rajoute deux relations donc il y a la relation d'égalité à zéro et la relation de différence d'inégalité de zéro. Donc ça, c'est la signature de base. Alors, ensuite, il faut mettre dessus euh, des axiomes, donc, pour définir ce qu'on va appeler la théorie de base, qui n'est pas encore tout à fait la théorie S. On va voir pourquoi. Euh, donc, le point 2, donc c'est i égale théorie de base. Alors, euh, deux signatures euh, sigma i. Euh, alors, bon, bah, dedans, il y a un certain nombre de séquences. Euh, donc les séquences euh, qui disent que k est un corps et que euh, les autres sortent. Sont des cas espaces vectoriels. Euh, euh, alors ensuite, le, euh, les séquences qui définissent la, la théorie, euh, la relation différente de hein, 0. Donc ça veut dire que le vrai implique en x, euh, x égale 0 ou x différente de 0. Et euh, d'autre part, euh, on a que x égale 0 et x différente de 0 impliquent en x le faux. Hein, donc ça, ça définit la relation de différence à partir de la relation d'égalité euh, qui fait partie du langage. Euh, voilà, donc ça, c'est les choses euh, les plus évidentes. Et puis ensuite, on met euh, les séquences euh, phi, psi qui sont vérifiés dans T0 entre formules. Vous voyez qu'il y a, comme toujours, dans un séquence, il y a deux formules. Et ce que j'autorise comme formule, ce sont les conjonctions finitaires euh, d'égalité entre termes. Autrement dit, c'est des équations. Et les termes, c'est quoi C'est des choses euh, euh, où apparaissent simplement les combinaisons linéaires et la composition des flèches. Donc ici, dans, dans phi et psi, il n'y a rien d'autre que des relations algébriques. Et c'est la seule chose qui dépend euh, du foncteur cohomologique de départ. Autrement dit, dans la définition de I, vous mettez simplement toutes les relations, toutes les implications entre euh, euh, équations euh, qui sont vérifiées dans T0. Et vous autorisez des conjonctions finitaires. Hein, C'est-à-dire, vous autorisez à ce que si vous avez les équations F1 égale 0, F2 égale 0, Fn égale 0, ça vous implique une certaine équation G égale 0. Hein, donc, euh, vous regardez toutes les relations de cette forme qui sont vérifiées par le foncteur euh, comologique T0. Alors, euh, donc, ça, c'est l'étape euh, euh, 2. Ensuite, euh, vous avez euh, une étape 3. Vous êtes obligé, pour définir la signature de S, vous êtes obligé d'élargir la signature. Donc, la signature de S, ça va être la signature de I. Plus une famille de relations, donc RS, euh, dans chaque contexte X. Alors ici, qu'est-ce que c'est que S C'est tous les sous-ensembles possibles, sous-ensembles euh, de celui des termes en le contexte que vous avez choisi. C'est-à-dire, chaque fois que vous avez une famille finie de variables, avec, de, de correspondant à certaines sortes, vous pouvez former tous les termes en ces variables. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez obtenir à partir de ces variables par euh, flèche, composition de flèche, combinaison linéaire, etc. Et euh, donc le sens de cette relation RS, c'est que si vous avez un terme qui est dans S, vous allez demander la relation S égale 0. Et si vous avez un terme qui est dans le complémentaire de S, hein, mais toujours en les, en, dans le même contexte, vous allez demander la relation S différent de 0. Donc vous élargissez euh, la signature en rajoutant ces relations. Et euh, euh, la partie 4, c'est euh, bah vous, vous définissez la théorie S. Donc la théorie S c'est quoi? Les, euh, donc elle a pour signature sigma S. Et euh, ces axiomes, euh, euh, donc elle contient la théorie I, donc tous les axiomes de I sont vérifiés dans S, et puis ce que vous mettez, c'est dedans, en plus, comme axiome supplémentaire, c'est les axiomes de définition des RS. Hein, donc je ne sais pas si vous voulez que je les écrive ou pas. Euh, donc par exemple, le fait que la relation RS implique S égale 0 pour tout S appartenant à S. Alors, grand S, c'est euh, euh, d'abord la donnée d'un contexte x, c'est-à-dire d'une famille finie de variables associées à certaines sortes, et puis d'un sous-ensemble. Donc S désigne un sous-ensemble de l'ensemble de tous les termes dans ce contexte. C'est-à-dire toutes les, les expressions algébriques que vous pouvez former à partir de ces variables. Par euh, combinaison linéaire, euh, euh, action des flèches de, du diagramme D. Euh. Petit S ou grand S. Non, donc ça, est, grand S est un sous-ensemble de l'ensemble de tous les termes en X. Et là, les éléments de grand S, vous les appelez petit S. Donc quand vous, ce sont des termes. Et donc le sens de la relation, c'est que si vous avez petit S appartenant à grand S, ça signifie que S égale 0 vous voulez mettre l'équation S égale 0 si au contraire le terme n'est pas dans grand S vous mettez la relation S différente de 0 donc ceci ça, ça va servir à vous voyez, donc ces relations en le sens de formules, qui vont permettre de présenter euh, les modèles finiment présentables et là ça pourrait être l'infini oui tout à fait, donc c'est pour ça donc ça c'est une très bonne remarque c'est pour ça qu'on a besoin d'introduire ces relations parce que euh, dans la logique géométrique euh, on n'a pas le droit de, de, à des conjonctions infinitaires. Or ici, le, les, les ensembles, le grand S euh, et leurs complémentaires peuvent très bien. En général, ils sont infinis. Donc, pour ça, formellement, on est obligé d'élargir la signature en rajoutant ces relations. Mais bien sûr, pour que ces relations signifient ce qu'on veut, euh, il faut préciser euh, le sens de ces relations. Donc le sens, c'est que euh, RS euh, implique S euh, et... Euh, et euh, le vrai implique euh, RS ou S différent de euh, 0 pour S appartenant à grand S, et puis pour S n'appartenant pas à grand S, c'est le contraire. C'est les axiomes de définition de la théorie S que vous mettez dans la théorie. Vous enrichissez, par rapport à la théorie de base, vous enrichissez la théorie en ajoutant ces axiomes-là de définition de ces relations. Et puis donc il y a bon, peut-être je l'écris euh, donc euh, vous avez RS implique S différent de 0, et le vrai implique RS ou S égale 0, donc ça c'est pour S n'appartenant pas à grand S donc voilà ça c'est les axiomes qui, défi, qui voyez, ils appartiennent à la logique géométrique et ils définissent le sens de la relation R indice S ils disent exactement ce que j'avais dit là bon et puis le dernier axiome qu'on met qui est important euh, on ajoute l'axiome suivant, c'est que le vrai, dans n'importe quel contexte, x implique euh, la, euh, la disjonction sur tous les s possibles des relations RS en x. Et là, c'est infini. infini parce qu'on a le droit aux disjonctions infinitaires dans la logique géométrique. Voilà, donc là, vous avez une définition de la théorie S. Alors vous remarquez que dans cette définition, euh, la seule chose qui dépend de T0, c'est les relations algébriques, la phi implique psi, hein, les relations entre formules euh, euh, qui sont des conjonctions finitaires euh, d'égalité entre termes. C'est la seule chose qui dépend de T0. Euh, alors bon, ici il y a un certain nombre de remarques, c'est que bon, d'abord on s'attend Évidemment, on ne le sait pas, mais on, 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 on s'attend à ce que les théories I et S ne dépendent pas du foncteur cohomologique T0 qu'on a choisi. Euh, alors, la, la, oui, la remarque, euh, donc enfin, Gabert l'a déjà faite, c'est que le, pourquoi est-ce qu'on rajoute les, théories, les, les les symboles RS C'est à cause de ces, du fait que dans la, dans la logique géométrique, on n'a pas le droit aux conjonctions, aux, aux conjonctions infinitaires. Or, ces symboles RS sont nécessaires euh, d'après la proposition précédente. Parce que les RS, c'est les formules qui vont nous permettre de, de présenter les objets. Donc si on veut que la théorie S ait une chance d'être de préfesau, on est obligé de rajouter ces symboles. Euh... Bon oui, alors maintenant il y a une proposition. Donc là j'ai presque terminé. Hein, mais le... Alors euh, donc d'abord la... Le... Euh, là, évidemment, euh, d'abord ce qu'on a, c'est que S est de type préfécesseur. Première insertion de, de la proposition. Alors vous allez définir euh, C euh, comme euh, la catégorie des modèles ensemblistes euh, finiment présentables de S. Et alors là, là vous avez que C satisfait... Euh, bah D'abord, elle a un objet initial, donc ça c'est évident, hein, vous prenez pour corps Q et, pour, euh, et partout ailleurs vous mettez 0. Hein, donc il y a un objet initial, et elle vérifie la propriété d'amalgamation, donc aussi la propriété de plongement conjoint, puisqu'elle a un objet initial. Donc son topos associé est atomique à deux valeurs. Le topos... Euh, 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 oui, euh, euh, enfin bon, je vais y venir. Et puis, la, 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 la troisième chose, c'est que vous avez automatiquement que les flèches euh, de cette euh, catégorie de modèles sont des monomorphismes. Ouais. Euh, alors, euh, maintenant, la propriété 3 euh, décrit euh, les flèches de cette catégorie. Donc, supposez que vous ayez deux objets dans cette catégorie. Donc, deux, Ces deux objets sont présentés par deux formules. Donc l'un dans un contexte X et l'autre dans un contexte Y. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire vous avez un nombre fini de générateurs et vous regardez tout, tous les termes que vous pouvez former en ces générateurs et pour chaque terme, vous précisez s'il si, euh, doit être nul ou non nul. Et c'est cette formule-là qui vous présente euh, chaque euh, objet de la, la catégorie finiment présentable. Alors qu'est-ce que c'est qu'une flèche entre ces deux objets Eh bien, donc, le, le, le résultat dit que ceci... Euh, les flèches euh, sont définies par les formules de la forme euh, W flèche de X flèche égale Y flèche, euh, où euh, ce truc-là est un terme. Comme on dit, euh, le... vous voyez, vous avez un, une famille de générateurs du premier modèle, une famille de générateurs du deuxième modèle. Et pour aller de l'un dans l'autre, euh, bah, ce que vous devez faire, c'est simplement préciser les images du premier qui s'expriment en fonction. De, donc les images de, de, du, du premier qui en fonction euh, des, euh, des, euh, des générateurs du deuxième. Voilà. Il faut faire attention que là, Ici, il faut se rappeler que l'équivalence entre la catégorie C et euh, la catégorie syntactique, c'est-à-dire les formules, c'est une anti-équivalence donc le sens des flèches est renversé. Euh, et puis alors ici, il y a une remarque euh, importante, c'est que si vous êtes dans une situation comme ça, et bien le S' est déterminé par euh, le terme qui est là, et S. On va le noter comme ça, c'est l'image de S' et l'image de S par ce terme, c'est quoi ben C'est l'ensemble des termes S, tels que S... Composé avec W et dans S. Toutes ces choses sont sémantiquement euh, évidentes. Et syntaxiquement elles demandent évidemment des démonstrations. Voilà. Euh, donc on a cette proposition. Et maintenant, euh, bon. Donc on a le théorème. Qui est, donc je suis dans cette situation, donc j'ai une théorie euh, atomique à deux valeurs, euh, qui est la, la théorie, euh, voilà, elle est atomique à deux valeurs. Et alors, donc, le théorème, qui est le théorème 20 dit que euh, ceci est, peut s'interpréter comme le topos classifiant d'une certaine théorie T, euh, que je vais préciser tout de suite. Donc, d'abord, vous avez qu'ils ont la signature de T est égale à la signature de S. Et euh, ensuite, vous, bien sûr, vous, pour que les modèles soient homogènes, vous devez rajouter des axiomes. Et là, les axiomes sont explicités. Donc, c'est les suivants c'est que chaque fois que vous êtes dans cette situation, vous avez deux euh, RS et RS' reliés par une flèche W. Eh bien, vous avez que le R. Indexé par l'image directe de S en Y implique l'existence d'un X tel que le, la relation RS de X soit vérifiée ainsi que la relation Y égale l'image de X par W. Et donc là, vous avez un système complet d'axiomes. Qui vous définit une théorie T dont le topos classifiant est ce topos atomique à deux valeurs associées à S. Vous avez un système complet d'axiomes. Alors, euh, donc là, il y a une, évidemment une question qui est posée, euh, et ça sera la, la fin de mon exposé. Euh, Rappelons-nous que la, la théorie euh, S elle a été définie à partir d'un certain foncteur cohomologique T0. Euh... Et donc à partir de là, hein, on a défini S par une certaine propriété, et puis ensuite à partir de S, on définit T simplement en rajoutant ses axiomes. Euh... Et... Euh... Euh, maintenant la question qui se pose c'est est-ce euh, que T0 est un modèle homogène euh, de la théorie S Autrement dit, est-ce qu'il définit un point de ET Et ça c'est une question sur le foncteur homologique particulier T0. Alors, pour essayer de comprendre cette question, euh, donc, euh, pour le moment euh, euh, Olivia de, ne sait pas, hein, mais, le, mais on peut se demander, s'interroger euh, sur le sens de ces axiomes. Alors une chose que vous vérifiez, c'est que c'est la, la chose suivante. J'ai dit que quand on part d'un foncteur homogène, le foncteur homogène vérifie beaucoup de propriétés d'exactitude, et ces propriétés d'exactitude sont perdues quand vous passez à la théorie S. Mais en revanche, vous vérifiez que tout point de la théorie T, autrement dit tout modèle homogène Vérifie les mêmes propriétés d'exactitude que T0. Autrement dit, quand vous passez au modèle homogène, vous retrouvez toutes les propriétés d'exactitude que vérifie T0. Autrement dit, ces axiomes-là, vous pouvez les interpréter comme un, un raffinement des propriétés d'exactitude euh, des foncteurs homologiques. Et donc, la question est posée est-ce que les foncteurs cohomologiques classiques euh, vérifient ces axiomes plus forts et là, là donc je, 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 je pense que. Enfin, disons, il me semble que. Bon, c'est certainement une question difficile, mais euh, quand même plus abordable que la question de relier les, entre différents foncteurs comologiques. Là, on est avec un seul foncteur. Et donc, ça, c'est une question posée, vous voyez, complètement inspirée par la théorie des topos. Sans, le, sans euh, tout le formalisme que je vous ai expliqué, je pense qu'on euh, n'aurait jamais pu euh, imaginer une telle question. Euh, donc, c'est une question qui est posée sur les foncteurs cohomologiques. Et euh, donc là, euh, bon, ben, euh, euh, voilà, on va, euh, disons, euh, disons, il y a deux solutions. Soit c'est pas vrai, bon, si c'est pas vrai, ça veut dire que le cas général n'est pas bon, donc ça peut amener à raffiner encore la théorie des topos classifiants. Hein, le, donc là, on confronte la théorie des topos classifiants que, et des équivalences de Morita. Telle qu'Olivia l'a développée, avec une situation concrète qui est la, la question posée par les, les, les relations entre théories cohomologiques. Et si jamais ce cadre-là ne marche pas, bah, certainement, enfin, disons peut-être que ça va amener à de nouveaux développements de la théorie des topos classifiants. En revanche, si ça marche, ce qui n'est pas exclu, euh, bah, là, ça serait vraiment une raison très très forte de penser que ce cadre est le bon. Et alors là, vous pouvez. Je, je voudrais faire une, une dernière remarque avant de terminer. Euh, vous voyez que tout à l'heure, je vous ai euh, parlé de ce pont là le, entre les. Euh, euh, J'ai dit, le, le, voilà, là, si on a une théorie T qui est euh, classifiée par le, le topos atomique euh, associé à la catégorie C, eh bien, le fait que T soit complète est équivalent à la propriété de plongement conjoint pour C. Et ça, c'est un énoncé euh, vraiment. Euh, euh, extrêmement frappant parce qu'il relie deux choses qui n'ont rien à voir. Alors là, euh, ceci en fait a une conséquence à ce niveau-là, parce que supposer que effectivement les foncteurs cohomologiques soient des modèles homogènes de cette théorie, et supposer aussi que la théorie S, elle est la même pour tous les modèles homogènes. ça veut dire pour tous les foncteurs homologiques. Ça veut dire que tous les foncteurs cohomologiques vérifient les mêmes relations algébriques. Ben ça, ça aurait pour conséquence que les différents foncteurs cohomologiques seraient les points d'un même topos atomique à deux valeurs, donc en particulier, que toutes les dimensions associées seraient les mêmes. Et là, ça c'est vraiment un énoncé euh, que je trouve fascinant, parce que euh, dans la, la, la définition de S à partir de T0, vous n'avez pas la notion de dimension. Vous voyez que la, la... Donc là, l'égalité des dimensions... Si ce, ce cadre-là marchait, apparaîtrait comme conséquence euh, de, 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 de choses structurelles, c'est-à-dire les relations algébriques vérifiées par les foncteurs cohomologiques et éventuellement, mais c'est là la grande question, le, le fait de demander que ces foncteurs cohomologiques euh, soient des modèles homogènes euh, de cette théorie S. Autrement dit, qu'ils vérifient les axiomes euh, de T. Et, euh, voilà, donc je. je... Donc euh, alors, vous voyez que c'est une manière d'envisager de, 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 le, les, les, euh, la, la question des relations entre théories comme logique qui est euh, franchement différente de, euh, de celle des, de l'approche euh, à laquelle on est habitué par les catégories tanakiennes. Euh, euh, là, là, toute l'approche est inspirée par la, par la, la théorie des topos. C'est-à-dire si vous prenez ça, que vous, 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 le, vous réfléchissez à ça... À, euh, vraiment vous vous demandez euh, pourquoi est-ce qu'un truc comme ça peut être vrai. Euh, en revanche, quand ça a été amené par les considérations sur les, les, les topos euh, que, que j'ai donnés, euh, ça paraît beaucoup plus naturel. Et donc, euh, voilà, il euh, va falloir... Euh, ben, J'espère que, que ça, ça va avancer, et Que et, euh, je, je pense euh, raisonnable de penser qu'à un moment, on pourra répondre par, à cette question par la positive par la, ou par la négative. Um. Voilà.